Bonjour à tous, auditeurs et auditrices de la radio Arc-en-Ciel, ceux qui nous suivent bien évidemment sur YouTube et les réseaux sociaux. Vous êtes aujourd'hui en compagnie de Catherine et c'est un plaisir pour moi de vous présenter la séquence de ce jour. Et en ce vendredi 12 avril 2024, nous sommes dans la deuxième semaine de Pâques. Alors je vous propose, avant de commencer la séquence, une petite prière. Seigneur Dieu, espérance et lumière des cœurs droits, nous t'en supplions humblement. Accorde-nous de t'offrir une prière digne de toi et de toujours te glorifier. Par le service et la louange. Amen. Nous allons continuer la séquence avec un chant à l'Esprit-Saint. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence, nos cœurs arides ont besoin de sentir. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence, nos cœurs arides ont besoin de sentir. Toujours Saint-Esprit dirigé,
qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme les apôtres étaient en train de comparaître devant le Conseil suprême, intervient un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, qui était honoré par tout le peuple. Il ordonna de les faire sortir un instant, puis il dit : Vous, Israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à ces gens-là. Il y a un certain temps, se leva Teudas, qui prétendait être quelqu'un, et à qui se rallièrent 400 hommes environ. Il a été supprimé et tous ses partisans ont été mis en déroute et réduits à rien. Après lui, à l'époque du recensement, se leva Judas le Galiléen, qui a entraîné beaucoup de monde derrière lui. Il a péri lui aussi, et tous ses partisans ont été dispersés. Eh bien, dans la circonstance présente, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens-là, laissez-les. En effet, si leur résolution ou leur entreprise vient des hommes, elle tombera. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire tomber. Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Les membres du conseil se laissèrent convaincre. Ils rappelèrent alors les apôtres et après les avoir fait fouetter, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus. Puis, ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Tous les jours, au temple et dans leur maison, sans cesse, ils enseignaient et annonçaient la bonne nouvelle. Le Christ, c'est Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter dans la maison du Seigneur, tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. La séquence se termine. Je vous propose de finir sur un beau chant à la gloire de Dieu, à la résurrection de notre Seigneur Jésus qui a donné sa vie pour nous. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. On vous retrouve à très vite et ça sera avec plaisir. Et je vous souhaite une excellente et belle journée à tous. Et je vous dis à très bientôt.